Salut YouTube et bienvenue sur la chaîne. Bon, 44e jour. Est-ce que j'ai bien dormi? Pas des masses, mais bon, j'ai dormi, c'est le principal. Et puis de toute façon, dans 2 semaines, je dormirai beaucoup mieux. Je vous laisse un petit peu l'ambiance. Hein, voilà, les gens ils parlent très fort. Hein. Enfin, bref. Bon, direction Léon. Un peu moins de pression cette fois-ci parce que j'ai pu réserver un hébergement, donc c'est toujours ça de prix. Et puis voilà, et bien sur ce, générique. Sadness from the other side of the river. And she asked. Can I be your star tonight? You fill my soul with. €3,50 et le patron, je suis désolé, j'ai bu, il offre le jus d'orange, pardon. Voilà, c'est la cafétéria Alonso à Mancilla. Keeps me high.
Bienvenue à Léon. On sent vraiment la ville. Putain, ça fait longtemps que j'en ai pas vu une comme ça. D'habitude, des petits villages, mais là, c'est vraiment... le changement est trop radical pour moi. Donc, objectif, il est double. Triple même. Premièrement, trouver un magasin de vêtements pour un pantalon outdoor. Alors, il semblerait qu'il y en ait un. Deuxièmement, bah, il fait faim, donc on va manger. On va manger à la cathédrale. J'ai rendez-vous avec Hugo et Sydney, et peut-être même Solène, pour manger avec eux. Et troisièmement, mis à part visiter bien sûr, aller à l'auberge, enfin au gîte, pour poser mon sac et ensuite faire la visite. Voilà. Donc trois choses à faire assez rapidement. Sail across the lights beyond the
Cet après-midi, j'ai pas fait grand-chose, je me suis vraiment reposé parce que j'ai marché 27 km. J'ai pu visiter la cathédrale, vraiment très très sympa. Selon la partie gratuite, hein, parce que la partie payante, encore une fois, hein, tout est payant aussi. Donc c'est un petit peu pénible. Le pantalon, bon bah finalement, j'ai trouvé la boutique, mais beaucoup trop cher. 100 euros le pantalon, non, stop, faut arrêter. Hein. Alors c'est sûr, c'est du Columbia. Non. Donc c'est pas grave, de toute façon, je suis déjà enrhumé. Donc ça va pas changer grand chose. Sinon, la journée, enfin le trajet, enfin la marche, donc ça s'est pas trop mal passé. J'étais avec Hugo et Sydney. Et en fait, le fait de les avoir rejoints, ça m'a permis moi de marcher plus vite. Donc oui, effectivement, quand vous marchez, enfin moi du moins quand je marche seul, j'ai pas envie de marcher, enfin je traîne un peu la patte et puis je marche pas très vite. Par contre quand je suis avec les gens, et ben j'ai envie de marcher beaucoup plus vite et je me casse le rythme. Et en fait c'est. Voilà, je sens pas la douleur, je sens rien du tout, et c'est, voilà, c'est assez stimulant. Donc, voilà un petit peu ce que je pense. Bon, désolé, la vidéo sera un peu longue, parce que j'ai quand même mis beaucoup sur la cathédrale de Léon, qui est très très belle, qui fait partie de l'une des plus belles cathédrales gothiques d'Europe. Ça valait vraiment le coup d'y passer un petit peu plus de temps. Bon bah sur ce, bonne soirée. Demain je vais faire 28 km. En fait c'est soit 23, c'est hôpital, la liste hôpital quelque chose, je vous mettrai un petit peu en dessous. Soit c'est 23 km et je longe la Nationale 120, voilà, donc c'est magnifique. Soit je passe par la campagne et puis ça me rallonge 5 km. Je préfère quand même rallonger 5 km. Donc demain matin, levé 5h, pour un départ 5h30, puisque mon hôtel est à 1,5 km du centre, du centre-ville. Voilà, il faut quand même le temps, moi, de rejoindre le centre-ville. Sur ce, merci de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux, et ça me fait très plaisir. Bonne soirée, et à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!